Alléluia. Merci, tendre Père. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir prier, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons et nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons et nous te célébrons, Maître du ciel et de la terre. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci Seigneur de manifester ta gloire. Merci Seigneur, toi le grand roi. Alléluia. Merci Seigneur. Adore l'Éternel. Des armées. Alléluia. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel des armées. Merci Seigneur, nous t'adorons, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Te célébrons, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions. Maître du ciel et de la terre, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. 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 Nous allons élever nos voix, nous allons louer le Seigneur de gloire, nous allons adorer le Maître du ciel et de la terre, lui qui nous donne la vie. Nous allons élever nos voix, bénis dans le ciel, nous allons bénir, c'est lui qui nous donne la vie. Nous allons le louer, nous allons le glorifier et nous allons le magnifier, nos puissants de Jésus. Élevons nos voix, bien aimés, adorons l'Éternel des armées. Nous élevons nos voix vers toi et nous te bénissons. Merci, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom au milieu de nous. Manifeste ta gloire, puissant de Jacob, l'Éternel des armées. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, parce que c'est toi l'auteur de nos vies. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton plan merveilleux. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et pour ta faveur. Nous proclamons ta victoire, notre Seigneur et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci grand roi de l'univers pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait. Glorifie ton nom Seigneur notre Dieu dans nos vies. Manifeste ta gloire. Élevons nos voix bien élevées. Nous allons bénir le Saint-Esprit. Alléluia pour sa présence. Le Saint-Esprit de nous guider, de nous diriger dans ce programme de prière. Bénissons, bien-aimés, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. L'Esprit de grâce et de faveur, Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te magnifions.
Merci, Saint-Esprit, de nous guider dans ce programme de prière. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'inonder nos vies. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos vies. Sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de victoire, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de combler nos vies de ta présence. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ta présence et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons. Toi, l'Esprit de victoire, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci de combler nos vies. Saint-Esprit, merci de remplir nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci pour ta victoire. Merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, comble-nous de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de diriger nos vies. Merci, Saint-Esprit, de guider nos vies. Merci, Saint-Esprit, de contrôler nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Guide ce programme de prière. Saint-Esprit, prends le contrôle au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Merci, Saint-Esprit, de guider chaque détail et chaque aspect de ce moment de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous te louons. Cher Saint-Esprit, nous te glorifions. Cher Saint-Esprit, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci d'inonder nos vies. Merci, Saint-Esprit, de contrôler nos vies. Nous te bénissons, Saint-Esprit, de contrôler nos vies, de contrôler ce programme de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir encore, bien-aimés. Ce soir, nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, contre, pour la guérison du diabète. On a, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour le pancréas, n'est-ce pas, pour la guérison de notre pancréas. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le pancréas, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est un des organes, bien-aimés, qui peut, n'est-ce pas, bien-aimés, qui est à la base, bien-aimés, dans le Seigneur, de la sécrétion, n'est-ce pas, de l'insuline. Hein? On en a parlé et on a prié pour ça. Eh bien, le diabète, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'une maladie qu'on ne sait pas guérir. Hein? Une maladie chronique qu'on ne sait pas guérir, mais qu'on peut contrôler. Qu'on peut contrôler, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Et c'est vrai, on sait le contrôler, mais la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle, bien-aimé, de la guérison, n'est-ce pas? Premièrement, d'abord, la Bible dit l'origine des maladies. L'Éternel te frappera des conceptions de fièvre et d'inflammation, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes qui te suivront jusqu'à ce que tu périsses. Parfois, bien-aimé, il y a des maladies, bien-aimé, qui peuvent être, n'est-ce pas, bien-aimé, sujets à,
à notre désobéissance, à notre rébellion. Hein? Des maladies bien-aimées qui peuvent venir tout simplement parce qu'à cause de notre mode de vie, on n'a pas notre vie n'est pas une vie assez saine. Il y a des maladies aussi bien-aimées dans le Seigneur qui peuvent venir bien-aimées dans le Seigneur à cause de notre hygiène de vie. Hein? Il y a des maladies aussi bien-aimées dans le Seigneur qui peuvent être là parce que l'ennemi est derrière. Mais nous savons une chose bien-aimée dans le Seigneur. Dieu guérit toute maladie et nous devons, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre de manière à respecter avec une hygiène de vie correcte. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous devons vivre avec une hygiène de vie correcte. Si c'est héréditaire, ça vient peut-être des ancêtres, ça vient peut-être dans la famille, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous y guérisse. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être bien-aimés dans le Seigneur, avoir une bonne santé. C'est pourquoi 3 Jean 1, 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le souhait de l'apôtre de Jean, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, vis-à-vis de l'ancien Gaius. Il dit, ma prière est que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Nous pouvons réclamer la guérison. Nous pouvons réclamer la guérison. Parce que Dieu veut nous voir, bien-aimés dans le Seigneur, en bonne santé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, le verset 14. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier contre, n'est-ce pas, pour la guérison du diabète. Que Dieu guérisse, que Dieu nous en préserve. Parce que, bien-aimés, le diabète, c'est tout simplement une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Ou ce qu'on appelle la glycémie. Alléluia. Donc, c'est dû tout simplement à une... C'est une anomalie qui est due à une insuffisance, n'est-ce pas, de l'insuline. Ou une mauvaise utilisation de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, nous devons prier, bien évidemment, pour que Dieu guérisse ceux qui, parmi nous, sont victimes de cette maladie, chronique, de cette maladie, bien aimé, inguérissable. Nous allons réclamer, bien aimé, la guérison de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Nous allons aussi, bien aimé, prier, peut-être que Dieu nous en préserve, que nous ne puissions pas tomber, bien évidemment, dans cette maladie-là, que ça soit diabète de vieillesse. Non, nous devons prier, bien aimé, que Dieu nous en préserve. Alléluia. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu guérisse ceux qui parmi nous en souffrent. Nous allons proclamer la puissance de la guérison, bien-aimés. Parce que la Bible dit, Dieu guérit toute maladie. Même si elle est d'origine satanique. Satan se retire devant la face de l'Éternel. Il frappa Job d'un luisseur malin. Depuis la plante de paix jusqu'au... Bien, Satan peut être aussi l'auteur de certaines maladies. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous comptons, bien-aimés, sur la guérison par la foi. La guérison de Dieu, c'est une guérison qui vient qui relève du miracle, simplement. Du miracle. Comme le diabète, ils ont dit, ça ne guérit pas, mais Dieu est capable de guérir le diabète. Alléluia. Dieu est capable de guérir le diabète. Parce que c'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Physiques et spirituelles. Mais les médecins, le médicament, n'est-ce pas, sont là pour faciliter le processus. Mais ils sont incapables, mais de guérir les corps malades, de guérir le diabète. Mais nous savons, bien aimé, dans le Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtricide duquel vous avez été guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, lui par le meurtrissier duquel vous avez été guéri. Nous avons vu tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur,
le soir ici. Jésus est le grand médecin. Le médecin tout-puissant qui offre bien des soins. Ces soins gratuits à tous. C'est question seulement de venir, d'accepter l'invitation qui est lancée à tout le monde, sans exception aucune. Et nous qui sommes venus à Jésus ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas quitter sa présence, même réduit. Nous voulons quitter la présence du Seigneur ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, en recevant la guérison, comme cette femme, bien-aimée, qui était venue, malgré la foule, elle cherchait absolument à tout prix à toucher les pans de la robe du Seigneur Jésus-Christ. En touchant les pans de la robe, elle a été guérie. La Bible dit, bien-aimée, le sang s'est arrêté instantanément. Bien-aimée, sa guérison a été instantanée. Palpable, visible, même si pas par tous, mais par elle-même, elle a vu bien que le sang s'est arrêté. Bien-aimé, c'est ce Dieu que nous prions. C'est ce Dieu que nous sommes en train de prier ce soir. Bien-aimé, c'est vers ce Dieu que nous sommes venus encore nous procéder ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, nous prions les dieux de la guérison. L'Éternel qui guérit toute maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit clairement, n'est-ce pas, Jésus allait, bien-aimé dans le Seigneur, des lieux en lieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il allait des lieux en lieu. De ville en ville, de village en village, il guérit, il enseignait la parole, il annonçait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie. Voilà pourquoi nous faisons confiance à la parole. Jésus ne ment jamais. Sa parole est vraie, sa parole est réelle. Nous nous accrochons à ses promesses. Il n'a jamais menti, il ne mentira pas ce soir. Nous nous approchons, bien-aimés, à lui ce soir encore par la foi. Parce que la Bible dit, bien-aimés, dans le Seigneur, la prière de la foi, bien-aimés, la prière de la foi, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, sauvera le malade. Alléluia. Même si, bien-aimé, c'est une maladie, n'est-ce pas, d'origine occulte, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu guérit toute maladie. Alléluia. Vous allez lever nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. Il guérit toute maladie. Alléluia. Il guérit toute maladie. Vous allez lever nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, merci pour la guérison. À travers le sang qui a été versé à la croix. Bien-aimé, commençons à rendre grâce. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour la guérison. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Élevons nos voix, bien-aimé. Commençons à rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour la guérison. Maître du ciel et de la terre, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la guérison, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour la guérison. Nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ, roi de gloire, merci pour la guérison. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre, merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus, je proclame la puissance de la guérison dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci. Merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci grand roi de l'univers. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, nous allons bien-aimé prier pour dire Seigneur, alléluia, que toute, alléluia, nous allons bien-aimé d'abord implorer la miséricorde de Dieu, les pardons de Dieu, n'est-ce pas bien-aimé, si c'est une maladie, n'est-ce pas, d'origine occulte, n'est-ce pas, c'est une maladie d'origine héréditaire. Nous allons renoncer à l'héréditaire. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon. S'il y a un péché dans ma famille qui a ouvert la porte à n'importe quelle maladie, notamment au diabète, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, je renonce à toute héréditaire. Alléluia.
toute mauvaise hérédité au nom puissant de Jésus. Je renonce à toutes les maladies héréditaires au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bénis. Commençons, n'est-ce pas, oui. Commençons à demander pardon, n'est-ce pas, à implorer la miséricorde de Dieu, béni dans le ciel. Nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde. Aie pitié, c'est notre Dieu, de mon frère, de ma soeur, aie pitié de tes enfants. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les dieux de pardon et de miséricorde. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Aie pitié, Seigneur, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de faveur, les dieux de paix. Nous voici dans ta présence, implorant ta miséricorde et ton pardon. Maître du ciel et de la terre, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, les dieux d'amour. Seigneur, pardonne, je renonce à toute forme d'hérédité, toute mauvaise hérédité, toutes les maladies héréditaires au nom puissant de Jésus. Je renonce à toutes les maladies héréditaires dans mon corps au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux d'amour, les dieux de paix. Je célèbre la grandeur de ton Seigneur. Je proclame ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons venir prier, n'est-ce pas? Nous allons venir réclamer la guérison, n'est-ce pas? Nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, tous les agents, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les agents, n'est-ce pas, bien-aimés, des maladies, n'est-ce pas, bien-aimés, qui attaquent le pancréas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, contre toutes, n'est-ce pas, bien-aimés, les agents qui attaquent, n'est-ce pas, les pancréas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons contre, bien-aimés dans le Seigneur, tous les agents des maladies qui attaquent le pancréas au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, pour neutraliser, n'est-ce pas, les bactéries, les virus, bien-aimés dans le Seigneur, qui attaquent, responsables, n'est-ce pas, des maladies dans le pancréas, responsables du diabète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Contre tous ceux qui attaquent, n'est-ce pas, bien-aimés, le pancréas au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés, invoquons la puissance du sang de Jésus pour neutraliser, bien-aimés, n'est-ce pas, toutes les bactéries, n'est-ce pas, bien-aimés, toutes, bien-aimés, dans le Seigneur, les agents des maladies, n'est-ce pas, responsables, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia, du diabète au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, n'est-ce pas, commence à prier, Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de la nouvelle alliance. Je m'adresse, éternel Dieu tout-puissant, contre ce notre Dieu, contre toutes les agents des maladies, que c'est notre Dieu qui attaque le bon pancréas, qu'il soit brisé, qu'il soit neutralisé, les bactéries et autres, tendre Père, que toute forme d'infection du pancréas, je me dresse, notre Dieu, contre tous les agents des maladies qui attaquent le pancréas, que ces agents soient brisés, ces agents soient neutralisés, au nom puissant de Jésus, tendre Père, que toutes les bactéries responsables des maladies dans mon pancréas soient brisées, soient neutralisées, les bactéries, tendre Père, responsables des maladies dans le pancréas de mon épouse, le pancréas de mon frère et ma soeur, tendre Père, que les bactéries sur notre Dieu, que tous les agents sur notre Dieu, responsables des maladies du pancréas, soient neutralisés, soient brisés, au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci, au nom puissant de Jésus, alléluia, je proclame ta victoire, je proclame ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, maître du ciel et de la terre, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir prier, nous allons venir invoquer le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Que toute plantation maléfique, tout poison, bien-aimé, dans les pancréas, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, soit brisé en nom puissant de Jésus. Nous allons briser, bien-aimé, toute plantation maléfique dans le pancréas. Nous allons venir briser, bien-aimé, dans le Seigneur, toute plantation occulte dans les pancréas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Commençons à proclamer trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dieu tout-puissant, nous nous lèvons sur notre Dieu contre, alléluia, toutes les plantations maléfiques dans le pancréas au nom puissant de Jésus. Je me dresse contre toutes les plantations maléfiques. Je me dresse contre tous les poisons occultes, les poisons maléfiques.
tendre Père, dans le pancréas, au nom puissant de Jésus, j'ai brisé tout poison maléfique, j'ai brisé tout poison occulte dans les pancréas, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance, Dieu tout puissant, que tout poison maléfique dans les pancréas soit brisé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus, je me dresse contre tout poison maléfique dans le pancréas de mon frère, de ma soeur, que tout poison occulte créant tendre les déséquilibres, les dysfonctionnements du pancréas, que tout poison occulte, que tout poison maléfique soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout puissant, je déracine toute plantation, tout poison maléfique dans le pancréas au nom puissant de Jésus Christ. Dieu tout puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons bénir, prier, n'est-ce pas, bénir. Nous allons déraciner, bénir. Nous allons bénir, se prier, bénir dans le Seigneur. Pour, n'est-ce pas, commander, n'est-ce pas, bénir. Alléluia. Nous allons commander, n'est-ce pas, bénir, au pancréas. Alléluia. De ne pas sécréter, bénir dans le Seigneur. De ne pas sécréter, n'est-ce pas, l'insuline en trop ou en moins. Nous allons bénir, demander, n'est-ce pas, commander au pancréas, n'est-ce pas, de fonctionner normalement. Nous allons prier pour l'équilibre du pancréas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier pour l'équilibre de notre pancréas. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous refusons qu'il y ait une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Alléluia. Ou bien, dans le Seigneur, une insuffisance. Alléluia. Ou une certaine insuffisance, ou une mauvaise utilisation, n'est-ce pas, de l'insuline. Qui est sécrété, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, par le pancréas. Bien dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Nous allons bien prier, bien dans le Seigneur, pour l'équilibre, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, le fonctionnement normal du pancréas. Alléluia. Bien, prions, n'est-ce pas, pour le fonctionnement normal du pancréas. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous prions, Père notre Dieu, pour un équilibre dans notre pancréas. Au nom puissant de Jésus, le fonctionnement normal, le fonctionnement normal de notre pancréas. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu tout-puissant. Nous nous lèvons contre toute anomalie dans notre pancréas, au nom puissant de Jésus, je brise toute anomalie, tendre Père, je brise toute anomalie dans mon pancréas, dans le pancréas de mon épouse, dans le pancréas de mon frère, je viens briser toute anomalie, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu tout puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus Christ, éternel notre Dieu, lève-toi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants que tu t'élèves dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus Christ, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, merci éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons grand roi de l'univers, nous te célébrons, au nom puissant de Jésus Christ, alléluia, Dieu tout puissant, merci. Alléluia, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu tout-puissant, glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que briser toute anomalie dans notre foi. Lève-nous, n'est-ce pas, nous allons bien briser toute anomalie, n'est-ce pas, dans notre foi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie, n'est-ce pas, brise toute anomalie dans le foi, au nom puissant de Dieu. Bien-aimé, prie pour le bon fonctionnement de ton foi. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous dressons contre toute anomalie dans notre foi, au nom puissant de Jésus. Nous brisons, éternel notre Dieu, tout dysfonctionnement du foi. Et nous proclamons la victoire. Nous nous dressons contre toute anomalie dans notre foi, dans le foi de mon épouse, dans le foi de mon frère, dans le foi de ma soeur. J'ai brisé toute anomalie dans le foi, au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Je proclame ta victoire. Je proclame
ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, les dieux de victoire, les dieux de gloire, les dieux de faveur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, merci puissant de Jacob, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, maître du ciel et de la terre, nous proclamons, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ton règne, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci éternel notre Dieu, merci pour ton règne, merci grand roi de l'univers, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, oh notre Seigneur, notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, merci éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, et nous te sommes, alléluia, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever contre toute forme d'hyperglycémie, n'est-ce pas, bien-aimé? Mais nous allons prier pour le Seigneur notre Dieu. Nous nous levons contre l'hyperglycémie. Nous allons briser toute hyperglycémie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur, nous allons briser toute hyperglycémie. Alléluia. Que ce soit le diabète, bien-aimé, du type 2, du type 1, bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Le diabète du type 1, bien-aimé, n'est-ce pas, c'est l'absence de sécrétion d'insuline par le pancréas. Bien-aimés, le diabète du type 2, bien-aimés, le Seigneur, c'est mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme, n'est-ce pas, bien-aimés, le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre, n'est-ce pas, bien-aimés, l'hyperglycémie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous, bien-aimés, contre toute hyperglycémie, bien-aimés, le Seigneur. Brisons, n'est-ce pas, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, pour briser toute hyperglycémie, n'est-ce pas, bien-aimés. Alléluia. Dans l'excès de taux de sucre, bien-aimés, le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dans le sang. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. C'est bien sûr une hyperglycémie chronique, hein, qui définit, n'est-ce pas, bien-aimés, le diabète. Mais nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimés, l'hyperglycémie. Au nom puissant de Jésus, n'est-ce pas? Nous allons briser, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, toute forme d'insuline, n'est-ce pas, bien-aimés, à l'excès. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est lorsque le taux du sucre s'élève, par exemple, après un repas, le pancréas fait quoi? Il produit plus d'insuline pour ramener les taux du sucre dans le sang à un niveau normal. C'est ça, en fait, le problème du pancréas. Fonctionnement, il produit plus d'insuline, n'est-ce pas, pour ramener les taux du sucre dans le sang à un niveau normal. Hein? Et donc, l'insuline, bien sûr, permet aux cellules de l'organisme de capter les sucres qui circulent dans le sang, bien sûr, selon le besoin, et de l'utiliser, de les transformer, bien sûr, en énergie. Donc, on peut dire, n'est-ce pas, l'insuline permet les stockages du sucre non utilisé dans le foie ou les cellules graisseuses. Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Bon, Seigneur, nous nous lèvons contre toute hyperglycémie au nom puissant de Jésus, bien-aimés, dans le Seigneur. L'excès de sang, l'excès de sucre dans le sang, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle, bien-aimés, l'hyperglycémie. Et le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Alléluia. Mais nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, bien-aimés, contre l'hyperglycémie. Et nous allons, bien-aimés, prier pour la régulation, n'est-ce pas, bien-aimés, du taux de sucre dans le sang. La régulation, n'est-ce pas? Le sang de Jésus vient réguler le taux de sucre dans le sang. Alléluia. Vient réguler, bien-aimés, n'est-ce pas, l'hyperglycémie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, le taux de glycémie dans le Seigneur doit être à un certain seuil. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bénis dans le sang. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu tout puissant. Lève ton esprit contre toute hyperglycémie. Tendre Père, nous nous lèvons contre, c'est notre Dieu, toute élévation du taux de sucre dans le sang. Au nom puissant de Jésus, je viens briser l'hyperglycémie.
Au nom puissant de Jésus, tendre Père, je me dresse contre toute hyperglycémie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout puissant, merci. Je proclame la puissance de la guérison. Éternel notre Dieu, je me dresse contre toute hyperglycémie. Au nom puissant de Jésus Christ, je me dresse contre toute hyperglycémie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout puissant, merci. Je me dresse contre toute hyperglycémie. Toute élévation normale du taux de sucre dans le sang. Seigneur notre Dieu, je viens briser l'hyperglycémie au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, je viens briser toute forme de glycémie. Alléluia. Au nom anormal, au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Je me dresse contre toute insuffisance. Alléluia. De l'insuline ou toute mauvaise utilisation de l'insuline. Seigneur notre Dieu, je brise cela au nom puissant de Jésus. Je proclame tendre paix. Ta victoire est en notre Dieu dans mon sang. Je bois le sang de Jésus. Que le sang de Dieu vienne équilibrer le taux du sucre dans mon sang. Le sang de Jésus vient équilibrer le taux du sucre dans mon sang. Le sang de Jésus vient équilibrer le taux du sucre dans le sang de mon frère, dans le sang de ma soeur, dans le sang de mon épouse. Le sang de Jésus vient équilibrer le taux du sucre dans mon sang. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Éternel Dieu tout-puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons bien nous lever, n'est-ce pas, contre tout, n'est-ce pas, contre, bienvenue dans le Seigneur, nous allons bien briser, n'est-ce pas, tout esprit de diabète. Alléluia, nous allons venir nous lever, n'est-ce pas, contre tout esprit de diabète au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons briser tout esprit de diabète, que ce soit le diabète de type 1, le diabète de type 2. Nous allons nous lever contre tout esprit de diabète au nom puissant de Jésus. Lève-nous, bien-aimés, lève-nous contre tout esprit de diabète. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs. Je me dresse contre tout esprit de diabète dans mon sang au nom puissant de Jésus. Je viens briser tout esprit de diabète dans le sang de mon frère, dans le sang de ma soeur. Je brise tout esprit de diabète au nom puissant de Jésus. Dans mon sang, Seigneur, dans le sang de mon épouse, dans le sang de mon frère, dans le sang de ma soeur, je viens briser tout esprit de diabète. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que tout esprit de diabète soit brisé, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Je me dresse, éternel notre Dieu. Alléluia. Je me dresse, grand roi de l'univers, contre tout esprit de diabète, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu. Je me dresse contre tout esprit de diabète. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je me dresse contre tout esprit de diabète, au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de diabète. Que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2, je brise tout esprit de diabète. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que tout esprit de diabète dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, soit brisé, soit neutralisé. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous de toute forme de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Préserve tendre Père. Préserve-nous, Éternel notre Dieu. Préserve notre pancréas. Préserve notre foi. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons lever, n'est-ce pas, contre toute servitude, n'est-ce pas, bienvenue au diabète. Mais tu vas briser toute servitude au diabète au nom puissant de Jésus. Mais tu vas dire, notre Dieu, je me dresse contre toute servitude au diabète, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, par le sang de bien-aimé. Tu vas briser toute servitude au diabète, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Éternel, notre Dieu, merci. Je me dresse contre toute servitude au diabète, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je me dresse contre toute servitude au diabète. Je proclame la victoire de l'œuvre
de la croix, la victoire du sang qui a été versé en Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que toute servitude au diabète soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute servitude au diabète, d'être de notre Dieu. Délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre nous tendre paix, délivre nous Seigneur, à toute forme de servitude au diabète. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute servitude au diabète. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas permettre que tout esprit de diabète, n'est-ce pas, libère ton corps. Mais libère ton foie. Tout esprit de diabète, n'est-ce pas, libère tous les membres de ton corps au puissant de Jésus. Allez, lève-nous, n'est-ce pas, commence à prier, n'est-ce pas, que tout esprit de diabète, n'est-ce pas, soit lié, libère ton corps au puissant de Dieu. Tendre Père, nous levons, c'est notre Dieu. Que tout esprit de diabète puisse libérer mon corps, les corps de mon épouse, les corps de mon frère, les corps de ma soeur. Que tout esprit de diabète, c'est notre Dieu, puisse nous libérer au nom puissant de Jésus. Libère les corps de mon frère, les corps de mon, le corps, c'est notre Dieu. L'esprit de diabète, tu dois libérer les corps de mon frère, les corps de ma soeur. Tu dois lâcher prise au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire, alléluia, du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, esprit de diabète, tu dois libérer toutes les parties de mon corps, tu dois libérer les corps de mon frère, les corps de ma soeur, tu dois libérer, esprit de diabète, tu dois lâcher prise, je t'ordonne de lâcher prise, je te lis, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, je lis tout esprit de diabète dans mon corps, je lis l'esprit de diabète, au nom puissant de Jésus, je lis l'esprit de diabète dans les corps de mon épouse, dans les corps de mon frère, dans les corps de ma soeur, je lis tout esprit de diabète, je lis cet esprit Dieu tout puissant dans tous les membres de mon corps. Je lis l'esprit de diabète au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Que tout esprit de diabète soit lié, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci grand roi de l'univers. Nous lions l'esprit de diabète. Nous lions l'esprit de diabète au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous lions tout esprit de diabète au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons bien effectivement briser tout esprit de la, alléluia, tout esprit d'hypertension. Alléluia. D'AVC, bénédiction dans le Seigneur. Toutes les conséquences, n'est-ce pas, que le diabète produit. L'hypertension, les AVC, bénédiction dans le Seigneur. Amputation, bénédiction dans la jambe. Les cécités, bénédiction. Nous allons, n'est-ce pas, nous lever, n'est-ce pas, contre toutes les conséquences du diabète. Alléluia. Nous allons briser les AVC, les hypertensions, les AVC, l'amputation des jambes, la cécité, bénédiction. Nous allons lever contre tout esprit de diabète, bénédiction dans le Seigneur. C'est une maladie, n'est-ce pas, bénédiction, dangereuse. Nous allons briser tout esprit de diabète. Alléluia. N'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, toutes les conséquences du diabète. Les hypertensions, les AVC, les amputations des jambes, les cécités, bénédiction. Nous allons nous lever contre toutes les conséquences du diabète. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu tout puissant, n'est-ce pas, bénédiction. Tu vas briser, n'est-ce pas, tout pouvoir, n'est-ce pas, tout esprit, n'est-ce pas, d'amputation des jambes. Alléluia. Mais nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia, le vainqueur de Golgotha. Nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre. Ton règne et ton autorité. Nous nous levons contre ce notre Dieu, tout esprit de diabète. Au nom puissant de Jésus. Nous nous levons sur notre Dieu, contre ce notre Dieu. Alléluia, les hypertensions, les amputations des jambes. Tout esprit d'amputation des jambes. Je me dresse contre toute forme de cécité. Au nom puissant de Jésus. Contre toute forme de cécité. Tendre Père. Contre toute forme de troubles des cieux. Et ton autre Dieu, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je me dresse contre les AVC, les accidents vasculaires. Alléluia. Parce que le cardiaque, je brise, Seigneur, notre les AVC, l'esprit des AVC. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout-puissant, guéris mon frère des hypertensions, des Seigneur, notre Dieu, des AVC, des cécités. Guéris tendre Père. Alléluia. De toute forme d'amputation des jambes. Et ton autre Dieu, merci pour ta victoire. Et ton Dieu, merci pour la puissance de la guérison.
Guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris nos corps tendres, Père. Nous proclamons la puissance de la guérison. C'est toi l'Éternel Dieu qui nous guérit. Tu nous guéris de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu qui guérit. Tu guéris de toutes les maladies. Lève-toi tendre, Père. Lève-toi Éternel notre Dieu. Merci pour la guérison. Tu nous guéris de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus, c'est toi l'Éternel Dieu qui guérit. C'est notre Dieu. Nous proclamons la puissance de la guérison. Guéris Éternel notre Dieu. Nous proclamons ton règne et ton autorité. C'est notre Dieu. Merci. Merci pour la guérison. Merci Éternel notre Dieu. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, venir prier, n'est-ce pas, bien-aimés. Alléluia, que toutes les conséquences du diabète, n'est-ce pas, bien-aimé le Seigneur, alors que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, de toutes les conséquences du diabète, et nous allons, bien-aimé, proclamer, n'est-ce pas, la guérison du diabète, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé, nous allons nous lever contre toutes les conséquences, n'est-ce pas, bien-aimé, du diabète, et en même temps, nous allons proclamer la guérison, n'est-ce pas, du diabète. Alléluia, que le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, bien-aimé, guérit le diabète dans notre corps, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, comment ça pourrait. Tant de peine, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre, les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous nous lèvons, c'est notre Dieu, contre tout esprit de diabète. Nous nous lèvons, c'est notre, contre toutes les conséquences dues au diabète. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise toutes les conséquences dues au diabète. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Je brise toutes les conséquences dues au diabète. Je me dresse contre toute forme de fatigue. Alléluia, le fatigue tendre paix. Au nom puissant de Jésus, c'est notre Dieu. Je brise tout esprit de diabète. De libérer le vessie, de libérer le vessie, de libérer le vessie. Tendre paix, je me dresse contre toute forme. Alléluia, alléluia. D'uriner, c'est notre Dieu. D'uriner de manière permanente et successive. Je brise sur tout esprit de diabète. Au nom puissant de Jésus, je proclame la puissance de la guérison. Et ton notre Dieu, merci pour la régulation du glycémie. Et ton notre Dieu, merci de réguler les glycémies dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Tendre Père, merci de réguler la glycémie. Au nom puissant de Jésus, et ton notre Dieu, merci, merci, tendre Père, de réguler la glycémie. Au nom puissant de Jésus, nous prions, tendre Père, pour l'équilibre dans les corps, l'équilibre dans le foie, l'équilibre dans le pancréas. Nous prions pour un équilibre dans tous les corps. Au nom puissant de Jésus, et ton notre Dieu, merci pour la guérison. Guéris, c'est notre Dieu. L'Éternel Dieu qui guérit. Guéris le diabète dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Merci pour la guérison du diabète. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus, les dieux de miracles. Bienvenue dans le Seigneur. Élevons nos voix, continuons à proclamer les dieux de miracles. Que les dieux de miracles, n'est-ce pas? Que les dieux de miracles guérissent le diabète, Seigneur notre Dieu, miraculeusement. Nous croyons par la foi, bienvenue, que ce Dieu est capable de guérir. Bienvenue, invoquons le Dieu de miracles. Qu'il guérisse le diabète au milieu de nous. Qu'il guérisse le diabète parmi nous, tendre Père. Allez, élevons nos voix, bienvenue. Les dieux de miracles, maître du ciel et de la terre, nous te bénissons. Nous te louons. Les dieux de miracles, les dieux de miracles, les dieux de miracles. Nous proclamons la puissance de la guérison. Seigneur notre Dieu, lève-toi dans la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, lève-toi parmi nous ce soir. Éternel notre, nous invoquons ton nom. L'Éternel est Dieu qui guérit. Tu guéris toutes les maladies, même le diabète. Je proclame la puissance de la guérison du diabète. C'est notre Dieu, que les sucres soient régulés, que les sucres soient régulés au nom puissant de Jésus. L'Éternel est Dieu qui guérit. Tu guéris toutes les maladies. Tu guéris les hypertensions. Tu guéris les. C'est notre Dieu. Tu prends les hypertensions, les cécités, tendre père. Tu guéris toutes les maladies au nom puissant de Jésus. Je proclame la puissance de la guérison. Les dieux de l'impossible. Les dieux de l'impossible, tu guéris toutes les maladies. Voilà pourquoi je proclame la puissance de la guérison dans mon corps, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Tu guéris toutes les maladies au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison. Merci pour la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Merci pour la puissance de la guérison. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, lève-toi, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, éternel Dieu tout-puissant, dans tous les détails, dans tous les aspects, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance. Délivre-nous, Éternel notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de toutes les maladies. Nous proclamons la puissance de la guérison dans les corps malades. Dans les corps malades, Seigneur notre Dieu. Les corps qui souffrent du diabète. Dieu proclame la médecine que les corps qui est disposé au diabète. Je brise là les diabètes au nom de Jésus. Qu'ils soient des types 2, qu'ils soient des types 1. Je brise les airs de les diabètes. Tendre Père, merci pour la guérison. Notre Seigneur, notre Dieu, délivre et guéris, au nom puissant de Jésus. Et toi, tu es le Dieu de miracles, les dieux de miracles. Nous proclamons la
puissance de la guérison. Tu guéris toute maladie, le Dieu de miracles. Merci pour la puissance de la guérison dans mon corps, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté trouvent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni, tu as brisé toute malédiction, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, toute malédiction, n'est-ce pas, bien-aimé, de diabète. Alléluia. Et en même temps, bien-aimé, tu as brisé toute malédiction de diabète. En même temps, bien-aimé, tu as brisé toute malédiction des maladies de diabète. Tu vas briser toute malédiction des maladies de diabète au nom puissant de Jésus. Bien, tu vas briser, bien aimé, dans le Seigneur, toute diabète d'origine, n'est-ce pas, bien aimé, d'origine occulte, n'est-ce pas, toute diabète, n'est-ce pas, d'origine sorcellerique. Tu vas briser cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu vas briser les envoûtements, les mauvais sorts. Alléluia. N'est-ce pas, bien aimé, dans ton corps, n'est-ce pas, pour te plonger dans le diabète. Nous allons élever nos voix, bien aimé. Élevons nos voix, n'est-ce pas. Commence à prétendre, Père, proclamons ta victoire. Notre Seigneur, notre Dieu, proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Je viens briser les malédictions des maladies des diabètes au nom puissant de Jésus. Je brise toute prédisposition. Je brise l'hérédité. Et notre Dieu, je brise toute hérédité des maladies des diabètes au nom puissant de Jésus. Je brise les maladies héréditaires dans mon corps, dans le corps de mon épouse, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Je brise toutes les maladies héréditaires. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je brise toutes les maladies héréditaires au nom puissant dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Je brise les malédictions des maladies, alléluia, de diabète au nom puissant de Jésus. Je brise, tendre Père, les mauvais sorts, les envoûtements prononcés contre ma vie, prononcés contre la vie de mon épouse, prononcés contre ma maison, contre ma famille. Je brise les envoûtements prononcés contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, sa maison, au nom puissant de Jésus. Je brise les envoûtements, les mauvais sorts, les mauvais sorts. Les maladies sont sponsorisées par la sorcellerie. Je brise toutes les maladies sponsorisées par la sorcellerie. Je brise les diabètes sponsorisés par la sorcellerie. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient neutralisés par la puissance du sang qui a été versé en Golgotha. Les dieux de vie, les dieux de victoire. Tendre Père, je proclame la guérison parmi nous ce soir. Si quelqu'un souffre du diabète, c'est notre Dieu que ta main le touche, ta main de guérison. Tout seul, si quelqu'un était prédisposé au diabète, je proclame la puissance de la guérison. Que ta main, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, roi de gloire, impose tes mains de feu. Impose tes mains de feu sur le corps de mon frère, sur le pancréas de mon frère, sur le pancréas de ma soeur, sur le foie de mon frère, sur le foie de ma soeur, dans nos sangs, dans mon sang, dans notre sang. Impose tes mains de feu pour le fonctionnement normal du sang. Au nom puissant de Jésus, impose tes mains de feu pour équilibrer, Seigneur notre Dieu, la glycémie au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, impose tes mains de feu. Je proclame la puissance de la guérison au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la guérison, les dieux de la guérison, impose tes mains de feu. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour terminer, n'est-ce pas? Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Commence à dire merci au Seigneur pour la guérison. Seigneur, merci, merci, c'est notre Dieu. Merci pour la guérison. Seigneur, merci pour la guérison du diabète au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison. Saint-Esprit, bénis le Saint-Esprit pour la puissance de la guérison. Saint-Esprit, merci pour la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons présenter tous ceux qui sont là devant le trône de la grâce. Nous allons venir prier pour Papa Florent, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a été atteint de COVID et qui a été, n'est-ce pas, jusque hospitalisé. Mais Dieu a fait grâce. Les choses vont bien. Alléluia. Nous allons bien aimer. Sa saturation dans le Seigneur est montée jusqu'à 91. Une très bonne nouvelle alors que c'était très compliqué. Nous allons bien aimer prier pour Papa Florent ainsi que son épouse. Mais nous allons bien aimer prier pour un autre frère Emmanuel, n'est-ce pas, bien aimer, qui a été victime d'une embolie pulmonaire. Bien aimer, nous allons bien aimer prier aussi pour tous ceux bien aimer, qui sont Maman Fifi. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé, que les dieux de l'impossible, n'est-ce pas, touchent leur santé au nom puissant de Dieu. Que tous ceux qui sont venus dans le Seigneur, alléluia, atteints de COVID, n'est-ce pas, que Dieu touche les poumons et leur corps les retrait tout entier. Et les voix, n'est-ce pas, nous prions pour nos bien-aimés malades. Tant de peine, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons nos bien-aimés malades devant ton trône de la grâce. Nous prions pour Papa Florent, s'il te plaît. Tant de paix, souviens-toi de lui, ainsi que de son épouse. Je proclame la puissance de la guérison dans le corps de Papa Florent, dans le corps de son épouse. J'en appelle, tant de paix, à un véritable, alléluia, à ce notre Dieu, à un véritable souffle dans ses poumons, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens souffler dans les poumons de ton serviteur. Souffle dans les poumons de ton serviteur. Alléluia, Florent, au nom puissant de Jésus. Souffle dans les poumons de son épouse.
au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci de souffler. Souffle, s'il te plaît, l'esprit de grâce et de faveur. Souffle dans les poumons de ton serviteur. Souffle dans ses poumons. Souffle dans ses poumons. Dieu de l'impossible, Dieu de miséricorde, Dieu de gloire. Souffle dans les poumons de ton serviteur au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de souffler. Merci, Saint-Esprit, de souffler dans les poumons de ton serviteur au nom puissant de Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Merci de toucher notre frère Emmanuel qui a été victime de l'embolie pulmonaire. Je proclame la puissance de la guérison dans son corps au nom de Jésus. C'est notre Dieu, merci. Je viens stopper cette embolie pulmonaire au nom puissant de Jésus. Je proclame la puissance de la guérison. J'en appelle à la guérison dans le corps de notre frère Emmanuel. Souviens-toi de lui. C'est notre Dieu, merci pour la guérison. Merci de toucher son sang au nom puissant de Jésus. Merci de toucher ton Père. Nous proclamons ta victoire dans le corps de maman Fifi au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, souviens-toi de toutes les personnes malades en ce moment dans leur maison, que soit à l'hôpital, ceux qui sont en réanimation. Nous proclamons la puissance de la guérison, les dieux de l'impossible. Souviens-toi, tendre Père, de tous ceux qui souffrent de maladies inguérissables, de maladies chroniques. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de l'impossible, lève-toi, l'éternel Dieu qui guérit toute maladie. Je proclame la puissance de la guérison dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. C'est toi le Dieu qui guérit toutes les maladies au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison. Ah, Maître du ciel et de la terre, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien dans le sens, nous allons bien prier, n'est-ce pas? Que Dieu continue à consoler les familles en deux. Nous allons bien prier pour Papa Pierre, qui a été éprouvé, qui a perdu sa sœur. Nous allons bien prier que Dieu le console. Alléluia. Alors qu'on va enterrer en Afrique, n'est-ce pas? Nous allons bien prier que Dieu puisse les consoler au nom puissant de Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur, nous allons bien prier aussi, bien pour la famille Kasongo qui a perdu le papa. Papa Kasongo est parti. Mais nous allons bien prier que Dieu continue, n'est-ce pas, à consoler cette famille. Nous allons bien prier pour notre sœur Esther aussi. Que Dieu continue à consoler notre sœur Esther et maman Emma. Et le Vonoroi, n'est-ce pas, bien prier, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui sont en deuil, que Dieu le console. Et le Vonoroi, n'est-ce pas, bien pour la puissance de la consolation. Que le Saint-Esprit console. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour la puissance de la consolation. Viens consoler nos bien-aimés qui ont été éprouvés. Console la famille Kasongo. Console tous les enfants. Console maman Emma, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de consoler maman Emma. Souviens-toi, Saint-Esprit, de toute la famille. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, cher Saint-Esprit. Souviens-toi de la famille Mayamba, souviens-toi de la famille de notre sœur Esther, souviens-toi, Saint-Esprit, de toutes les familles éprouvées, de la famille de Papa Pierre, Saint-Esprit, merci de souvenir de Papa Pierre, ainsi que de toute la famille Kairang, souviens-toi de toute la famille de Papa Pierre, souviens-toi de la famille, au nom puissant de Jésus, que ce soit en Afrique, là on va aller enterrer, Saint-Esprit, merci de souvenir, souviens-toi de Papa Pierre, nous proclamons la puissance de la guérison, au nom puissant de Jésus, merci de guérir les cœurs affligés, les cœurs en souffrance pour avoir perdu un être cher, Saint-Esprit, merci. Merci de souffler au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Console toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Les personnes éprouvées en ce moment, nous proclamons la puissance de la consolation. Merci, cher Saint-Esprit. Élevons-nous, bénis-nous. Rendons grâce. Bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour le travail que tu fais dans le cœur de tes enfants. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Merci pour la consolation. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour la puissance de la consolation, pour la guérison. Au nom puissant de Saint-Esprit, merci d'avoir guéri le diabète. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la guérison du diabète. Que ce soit de type 1, que ce soit de type 2. Merci pour la guérison du diabète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Oh Saint-Esprit, merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus. Et toutes les conséquences du diabète. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la vie. Alléluia. Tendre Père, Seigneur notre Dieu, je prie pour toute personne qui souffre de diabète. Je proclame la puissance de la guérison dans les corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Souviens-toi, tendre Père, que toute personne souffrant de diabète ce soir, je proclame la puissance de la guérison dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci de restaurer le foie, de restaurer le pancréas. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour une guérison miraculeuse. Cher Saint-Esprit, que toute personne souffrant de diabète, Seigneur notre Dieu, qu'il se voit son sucre régulé. Alléluia. Sa glycémie normale à partir de maintenant par ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, j'impose le main de feu sur toute personne souffrant de diabète maintenant. Que la guérison inonde de son corps, que la guérison inonde de son sang, que la guérison inonde de son foie, que la guérison inonde de son pancréas au nom puissant de Jésus. Je proclame la puissance de la guérison au nom de Jésus. Donc, merci pour la guérison. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. J'ai ainsi prié.
Merci Seigneur. Alléluia. Par le sang de Jésus, recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous donne un bon sommeil ou un bon repos. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Merci.